Bonjour, vos livrets bancaires et vos assurances vie sont en danger dès cette année 2022. L'inflation est revenue aux USA, dans l'Union européenne et en France. Nous arrivons dans une alternative pleine de risques. Première issue, les banques centrales continuent la politique en cours depuis 7 ans, qui consiste à mettre les taux à zéro et à faire tourner les planches à billets. Alors l'inflation s'accélérera en 2022, elle a d'ailleurs déjà été multipliée par 3 en 2021. Si par exemple elle atteint 10%, cette année, la valeur de vos livrets bancaires, de vos assurances vie et obligations sera réduite de 10%. Quant au pouvoir d'achat de l'euro, il diminuera. Deuxième issue, les banques centrales décident de protéger notre épargne et notre monnaie. Elles réduisent les planches à billets et elles augmentent les taux d'intérêt. Mais ces mesures risquent de provoquer le krach boursier et immobilier redouté depuis des années et elles mettront sur la voie de la faillite les banques et les États surendettés comme la France. Les pertes sur tous les actifs, immobiliers, actions, obligations, fonds euros des assurances-vie, pourraient atteindre jusqu'à 50% dès 2022. Pour ne pas faire faillite, l'État n'aurait plus d'autre solution que d'opérer une ponction fiscale sur les citoyens solvables. Les banques, elles, pourraient être autorisées à se sauver en prenant l'argent de leurs clients, comme l'autorise la loi du buy-in, votée en 2016. Vous voyez que dans chaque scénario, notre épargne est attaquée et au pire, nos dépôts bancaires menacés. Si vous avez conscience de cette situation, alors il faut agir pour protéger votre épargne et vos liquidités contre ses conséquences sur les marchés financiers, l'euro, l'immobilier et nos comptes en banque. Parce qu'il y a des solutions, malheureusement peu connues des ménages. Les assureurs et les banquiers n'ont pas intérêt à vous en parler. Si moi je peux le faire, c'est parce que depuis 12 ans, mon rôle et l'éducation financière des particuliers. J'ai rédigé des centaines d'articles pour les abonnés de ma lettre patrimoniale, réalisé 150 vidéos de vulgarisation économique et financière. Je viens de terminer un rapport sur la stratégie pour protéger votre patrimoine et mettre votre argent en sécurité en 2022. Son nom, Défendre son patrimoine en 2022. Vous y trouverez les explications qui vous permettent d'agir. Réservez le vôtre pour construire votre bunker financier résilient aux événements qui se produiront en 2022 et après. J'ai fait le choix de le mettre provisoirement à votre disposition gratuitement. Pour le recevoir de suite dans votre boîte mail, cliquez sur un des liens qui s'affiche.